Et oh, le chat est encore là. Rebonjour les amis pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Et bonsoir pour les personnes qui viennent juste d'arriver. Pour les personnes qui viennent juste voir du Monkey Island sur ma chaîne. Voilà, vous êtes peut-être chez MV tous, en fait. Il y aura peut-être personne ce soir. Je viens de jeter un coup d'œil qu'il y avait en ligne sur Twitch. Et je viens de voir que MV était en live avec 18 000 viewers. Ah, le mec fait des scores de ouf, c'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Moi qui le suis depuis pas mal de temps, voilà, le voir avec des audiences pareilles, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un mec qui mérite et qui est franchement cool. Donc là, ouais, dans 18 000 quoi, un truc de taré. Bref, nous ce soir, on va essayer d'atteindre les 18 personnes, et ça serait déjà pas mal. 8, 8 déjà. Ouais, non, franchement, déjà 8. 8, 8, je dis ok. Et j'ai trop de poils et ça gêne. Cette beubare, quoi, il va falloir que je fasse quelque chose. Et j'ai pas lancé le jeu. Bah non. Mais non, vu que je suis un gros sac. C'est quoi qu'on joue? C'est à quoi qu'on joue? On va jouer à Monkey Island 3. On va se faire la suite. Hop, hein, je charge, comment on avait appelé ça? On avait appelé ça grande toute molle. Alors, nous parlias? Attendez. Attendez, je crois que j'ai fait le con, je crois que j'ai pas sauvegardé. Ah si! Ah oh putain, on peut aller plus bas. Ah, d'accord. Non mais j'ai eu peur. J'ai eu un instant de flip monstrueuse. Ok, bah tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt. On va se mettre le jeu. Ça peut être pas mal. Alors je vous ai fait une petite scène full screen maintenant, avec une belle transition en plus. Voilà, qu'est-ce que c'est chouette. C'est ça. Hop, belle transition. Regardez, le jeu est là. Et on va tester avec la transition. Je veux juste tester. Ouais, parce que bon, on est en live, mais bon, on teste des trucs en live. Hein. Regardez, hop, transition. Oh là là. Transition full screen. Hop. 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 Donc, quand il y aura des jeux avec des belles cinématiques, on pourra faire des transitions full screen. Ça sera trop chouette. Bon, on a parlé à Lemonhead. C'était cool. Faut qu'on soit. Faut qu'on soit un cannibale pour pouvoir faire quelque chose ici. Donc ce n'est pas notre cas. J'ai gagné un récipient, une vrille, le piment. Ah oui, faut que je fasse un truc pour que l'autre il soit moins bourré. Oh, j'ai réussi à me rappeler. Comment on fait? Alors, la gueule du bois, un œuf, un piment, le poil d'un chien qui vous a mordu. Ok. Alors, l'œuf, il est au tout début. L'œuf, il est sur un assortiment, le plat chauffant. On peut mettre un truc. T'as un truc dans le plat chauffant? Je peux pas utiliser du piment avec ça. Je peux pas utiliser du piment avec ça. Ok, ça c'est d'accord. La crème à raser, de la colle, un ballon. Attendez, ça se trouve, je parle dans le vide. J'ai pas testé. Tout à l'heure, ça déconnait. Non, c'est bon. A priori, vous m'entendez. C'est parfait. Alors, ton moulin, il bat trop vite. On est ici, on a été au cimetière, on a été à l'hôtel. Et Hélène, il y a l'épave. Je sais plus où c'est. C'est à l'entrée de l'hôtel, je crois, non? Non. Non, c'est pas. Non, pas le cimetière. Qu'est-ce qu'on fout? Hélène, non. Hop.
Merde, c'est ouf. Attendez un moment, je vais retrouver. Promis. Ah, clairière. Bah non, la clairière, c'est là où il y a... Voilà. Les lucioles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les lucioles? C'est quoi la vrille? C'est une vrille. Ah, il dit que ça. C'est une vrille. Ok, d'accord. Ah, ça m'aide bien. Hein. Ah, merci. Hein. Merde, je vous souviens. Ah, la plage. La playa. Les VA, le panneau, la pancarte, le rocher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le maillet. Burin. Le burin ne servira à rien avec ça. Le maillet. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Pourquoi pas? L'œuf casserait au moment de toucher le sol. Ah, faut que je mette quelque chose pour... Pour amortir. Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. Il serait dommage de gâcher ainsi... Mais non, mais il est dégueulasse ton biscuit, Jean-Pierre. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Donc. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah le coussin. Regardez. Hop. Et ensuite, gros coup de maillet. Dans le merdier. Hop là. Donc j'ai l'œuf. C'est un gros œuf. C'est un gros œuf. Je peux pas utiliser du piment avec ça. Alors, pas écraser le... Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Le burin ne servirait à rien avec ça. Donc ça et le chien. Le poil des chiens. Comment on peut pécho les poils de chien? La crème à raser. Pourquoi j'ai pas pensé qu'on pouvait... Pourquoi j'ai pas réfléchi? Je me suis pas dit, tiens, on pourrait raser le chien. Évidemment qu'on va raser le chien. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mais on s'en fout. Ce flacon a un bouchon. 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 Bah oui, bah tu l'enlèves le bouchon. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Je ne veux pas piquer ça. Je ne veux pas couper ça. Ok. Ah, j'ai gagné un bouchon. Super. Super. Alors. Non. Avec la niche, non. Les poils. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Hein? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Mais merde! Fallait juste... Depuis cette sombre histoire du caniche de ma tante, je ne peigne plus les chiens. Je ne veux pas couper ça. Depuis cette sombre histoire du caniche de ma tante, je... Alors... Je ne veux pas couper ça. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. J'ai une tourtière pleine de crème à raser. Ah. Ah. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. J'avance, hein, j'avance, mais... Je ne veux pas couper ça. Je veux pas que tu coupes. C'est une tourtière pleine de crème à raser. Non. De quoi? De quoi que c'est? Comment étaler? Comment étaler le bazar, là? Ça n'a pas besoin d'être vrillé.
Il serait dommage de gâcher ainsi un bon... Ça ne prend pas de jetons en bois. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Ok. Donc il y a le chien. Il y a le chien. Qu'est-ce que je peux faire avec l'écuelle? Parler à l'écuelle. Je n'en veux pas. Ou alors... Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Ça n'a pas besoin d'être savonné. J'ai le truc dans le... J'ai poil de chien. C'est tout aussi dégoûtant que le reste du chien. Plus morbide, tu meurs. Qu'est-ce que je peux faire? Ça mousse. Ça mousse. Magnète de frigo. C'est un magnète souvenir de Bigou. Ouais. La crypte, la pierre tombale, ça s'est fermé. je sais pas. Je suis bien embêté. Là j'ai un tonneau. Là j'ai les piments. Il y a la porte, la fenêtre, les ailes. Là c'est le truc des relous. Ah non, ça... Alors... Fourchette... Qu'est-ce que je peux... Cruche vide, est-ce que je peux commencer à mettre les trucs dedans ou pas? Je peux pas utiliser du piment avec ça. Dis pas qu'il faut mettre dans le crachoir quand même. Je peux pas utiliser du piment avec ça. C'est vrai que vous avez une sale tête. Arrête de crier! Qu'est-ce que c'est? J'ai du piment sauvage. Chut! Merci. Oh, c'est juste ce qu'il me faut pour ma gueule de bois. Ok, donc j'ai ça. Un œuf. Cet œuf est tout indiqué pour la gueule de bois. Chut! Merci. Et donc maintenant, si je parlais un mais peu... Mais c'était quoi ce... Chut! Va me chercher les ingrédients pour me faire un remède contre la gueule de bois. Mais c'était quoi ce... Chut! Ouais... Va me chercher... Ok. Donc il va falloir que je rase le chien. J'ai la crème à raser. Le burin ne servirait à rien avec ça. Ouais, je me doute un peu. Hein. Mais. Est-ce qu'elle peut me dire un truc, elle? On va lui reparler. On va bien voir si elle nous dit quelque chose. Vous connaîtriez un remède contre la gueule de bois? Mon
peuple connaît les remèdes pour les pénibles lendemains de cuite. La recette est simple. Il faut d'abord trouver 4 douzaines de sangsues. Des sangsues? Tu peins ensuite le patient par les pieds à un bouleau. La tête en bas? Tu allumes un feu sous sa tête avec 50 litres d'alcool et des crottes de chauve-souris. C'est pas simple. Tu enlèves ensuite tes habits et tu danses autour du bûcher en chantant des hymnes sacrés. Oh là, oh là, ça devient un peu farfelu. Peut-être, mais ça marche. Merci, mais je préfère essayer autre chose. Que disent les cartes pour moi? Gloire, fortune, amour? Oh, très bien. Consultons donc les cartes. Tirer les cartes de tarot est une opération très complexe. Chaque carte tirée annonce un événement de ta vie future. Une fois assemblée, elle raconte l'ensemble de ton avenir. Un avenir plein de mauvais tours et... Ah! Pour l'amour du ciel, arrêtez de crier, femme. C'est quoi? Est-ce un aïe de bon augure? C'est la mort. Mort au tarot, ça signifie juste changement, c'est ça? Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure, c'est ça? Ah oui, oui, c'est exactement ça. Maintenant, laisse-moi. J'ai quand même l'impression que ça pue un peu quand même. Hein. Tiens, putain, le chien. Qu'est-ce que je vais faire avec le chien? Je peux pas utiliser le récipient gradué. Il ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il me manque un élément clé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Le burin ne servira à rien avec ça. Ah mais oui, c'est pour faire une boussole. Le bouchon, l'aiguille au-dessus de sa barille. Ok. Il ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il me manque un élément clé. C'est un bouchon percé par une aiguille. Ok. Il me faudrait de l'eau. Seule la page 243 est déchiffrable. C'était ça, hein. Le pompa est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution. Ok, donc faut... ouais, ça va être de la picole, ouais. Connaissant le jeu, ça va sûrement être de la picole, hein. Il y a la scène, il y a le fait-tout. Pas... il y a un truc dans le fait-tout. Je peux pas utiliser le récipient gradué avec ça. Je peux pas. Je trouve de l'eau, il y en a partout de l'eau normalement. J'ai pas trop débile. De l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Yes, la plage, l'épave. Là, de l'eau. Allez, hop. De l'eau de mer quoi. Allez, rempli. Yes. C'est plein d'eau de mer. C'est parfait. Regardez, hop. D'accord, il flotte, mais il n'indique aucune direction. Ah. Faut qu'il soit aimantal. Comment on va aimanter ce truc? Une baguette magique? La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Non, c'était pas ça. Ok. La pancarte délavée, le panneau.
Où est-ce qu'il y avait... Pour l'instant, je ne vois personne. Ok, la cheminée... Qu'est-ce que je peux faire ? D'inconvenu. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. Je peux pas utiliser le bouchon avec. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. On va tout essayer, hein. Je m'en fous. Hein. Je ne pense pas qu'il aime. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. Je peux pas utiliser le bouchon avec ça. Je peux pas utiliser le récipient gradué avec ça. Je peux pas utiliser le récipient gradué avec ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je peux pas utiliser le récipient gradué avec ça. Ok, c'est pas ça. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin. 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 Ça n'a pas besoin d'être vrillé. J'essaye avec tout. Bon. J'ai. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Mais pourquoi ça marche pas ça? Je pige pas pourquoi ça marche pas. Il me faut un autre objet que j'ai pas, mais... Pierre tombale gravée. Pierre tombale non gravée. C'est une pile de pierres tombales. C'est le début d'un mot. Et de quel mot ? Relique ? Remix ? Hein ? Quoi ça, crochet de squelette ? J'ai déjà assez de trucs de squelette. Non. Crochet de squelette. Cheminée, la fenêtre. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'une vrille en fait là. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. N'a pas besoin d'être vrillé. Puis je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ok. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Le burin ne servira à rien avec... Je ne peux pas frapper ça avec un... Mais si, défonce la porte. Je ne peux pas aimanter... Ah ! Je suis con. L'aiguille qui perce le bouchon est déjà aimantée. Que de possibilités, ça donne le tournis. Super, il indique le nord. C'est chouette la science quand on connaît le truc. Putain, c'est... J'avoue que je n'y croyais pas trop, mais... Le résultat a de la lieu. Salut Twinsen. C'est quoi ce pull moisi? Tu déconnes ou quoi? Il indique le nord, toujours. Non. On peut parler au compas. Attends, il est génial mon sweat. C'est le plus beau sweat du monde. Regarde ça.
Non mais... parle pas le mal de mon sweat. Et je l'ai en version t-shirt. Ah non, j'ai pas le slip qui va avec, mais j'ai le t-shirt qui va avec. J'ai le t-shirt exactement le même motif. Bon, c'est super. J'ai mon compas. Enfin, ma boussole d'ailleurs. C'est pas un compas, c'est un compass. Donc une boussole. J'ai filé au barman son œuf et son piment. Et il me reste à choper les poils du chien. Tu vas vous faire pouvoir faire des ronds. Et ronds, petit patapon. Mets le chien. Mets le chien, quoi. Le chien. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Ouf, exactement. Ooh, let the dogs out. Ouf, ouf, ouf. Le phare ? Hein ? Oui. Ah oui, il y a le miroir et la lentille sur le phare. Exact, je suis déjà allé. Et le réverbère. Le réverbère Léonard. Ça a besoin d'être vrillé, ça. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Je sais pas à quoi ça sert, cette vrille, là. Petit chien. Les meilleurs emojis chez chien. Mais je sais plus. Le cimetière, on s'en tape. L'épave quoi. Lui voulait quoi, lui? Je sais plus. Je cherche à faire quoi? Je cherche à raser le chien. On va y retourner. Regarde, il y a le chien. En fait, faut que je réveille le mec du bar a un mal de crâne à cause d'une cuite. Et coucou Melzekiel. C'est dans le livre de recettes. Dans le livre de recettes, voilà, il y a le... Hop, comment remédier à la gueule du bois. Donc, un œuf. J'ai récupéré l'œuf, je lui ai donné. Un piment. J'ai récupéré le piment, je lui ai donné. Et le poil d'un chien qui vous a mordu. Et étant donné qu'il n'y a qu'un seul chien sur toute l'île, je me dis, ça doit être lui. Donc, j'ai le chien. Regardez, il a des poils. Il a des poils, le chien. Et j'ai la fausse tourte avec... C'est une tourtière pleine de crème à raser. Avec la crème à raser dedans. J'ai ouvert la crème à raser. Parce que je sais que le perroquet, c'est pas juste parler. C'est aussi utiliser ses dents. Donc. Il te manque un objet pour prendre les poils. Ah. Donc. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la crème à raser. J'ai mis la crème à raser dans la tourtière. Et ouais, j'ai besoin d'un blaireau, j'imagine, ou d'un truc dans le genre, quoi. J'ai besoin d'un blaireau. C'est pas ce qui manque, hein. Pourtant, les blaireaux, il y en a partout, hein. Là, la maison, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a la fente, mais il voit rien. Il y a la fenêtre, mais il peut pas y aller. Il y a la cheminée, mais il se passe rien avec la cheminée. On peut pas défoncer la cheminée, tu vois. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Je peux rien faire. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Qu'est-ce que je pourrais choper comme objet? Parce que les objets, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Là-dessus, j'ai récupéré le magnète. Classeur de dossier, je crois qu'on peut rien faire avec. C'est sûrement des trucs de notaire auxquels je ne comprendrai rien. Voilà. Le gros formage. C'est du gros formage, quoi. Fromage à tartiner, spécial famille nombreuse. Je crois bien que c'est du fromage pour faire de la raclette. Bien. Je ne peux pas prendre tout ce fromage. Prends-en juste un bout. Non, merci, je n'ai pas... Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Ça n'a pas besoin d'être vrillé.
Putain, vas-y au burin, je sais pas, moi. Oh, bordel. Ah, c'est vraiment ça, putain. Là, ce sont des oreilles que tu voyais. Ouais, désolé. Non. Allez, mange. J'ai déjà le fromage. Alors. Appareil pour couper le fromage en tranches. C'est cassé et hors d'état de fonctionner. Ouais, qui fourchette. Je veux pas utiliser le fromage avec ça. D'accord. Cette fourchette est plantée dans le fromage. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Je vais essayer avec tout, hein, parce que le truc, la vrille, là, franchement, c'est en train de me faire vriller. Hein. Est-ce que le chien, du coup, il vaudrait pas du fromage? Regardez, hop, le chien. Le chien, paf. Coucou, le chien, je te mets du fromage dans ta gamelle et t'es content, quoi. Tu te réveilles et je te rase. Regardez comment il avait mis le fromage. Je veux pas utiliser le fromage avec ça. Il n'a pas l'air de chauffer assez pour faire fondre ce fromage. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Putain, mais du bois, je sais pas. Je vais cramer la carte, tiens, regarde. Non, pas une carte avec ça. L'encyclopédie ne servira à rien. Je sais pas, moi... Non. C'est juste de la lecture. C'est juste de la lecture. Mais justement, fais la cramer. Oh là là. Ça a pas l'air de chauffer. Un coussin. Je peux pas utiliser le coussin avec ça. Je fais cramer le coussin, moi. Je suis un fou. Ok, alors le cimetière, j'y suis allé. L'hôtel, j'ai réussi à récupérer le bout de fromage. Le moulin à vent. C'est une statue de Myron, le dieu du persil et autres condiments. Le dieu du persil, mais oui. Non. Ah, mais. Fromage dans le plat chauffant. Ce plat chauffant n'est pas assez chaud pour faire fondre le fromage. Pourquoi ? La vrille. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. je pense que j'aurais utilisé la vrille sur tout. Tout. La colle. Tenez bon. Que voulez-vous ? Presque surtout. Elle ressemble à quoi déjà la... Hein ? Elle ressemble à quoi déjà la vedette ? Je ne le connais pas, mais il doit être en habit de cérémonie. Vous avez un beau village. Merci. Je dois y aller. Salut. J'avais oublié ouais, qu'il y avait une vedette. Il y avait une vedette. C'est très classe. Non. C'est un bloc de crème de fèves. Qu'est-ce que... On dirait un masque. Il a déjà deux yeux et une bouche. Burk. Allô ?
voilà, finalement. Vite, putain, nous sommes en retard pour le sacrifice. Putain. Oh, ah bah là, pour le fromage, ça va être nickel. Ah mais le fromage, il est allergique au fromage. C'est bon les gars, balancez-le. Vous avez été un public en or, merci et bonne nuit. Ok. Vous nourrissez le volcan avec des mannequins végétaux ? Il ne veut que ça. Sherman n'est pas un vrai végétarien. Mais les aliments gras lui donnent de grosses coliques. Les aliments gras comme... je ne sais pas. Des fromages, par exemple. Imbécile ! Tu as donné du fromage à un dieu allergique au lactose. Tu en connais les conséquences? Bientôt la grande dysenterie s'abattra sur nous. Sauf qui peut tous. J'ai fait le con, chef. Un kebab. Waouh, le spectacle dépasse tout ce que j'avais espéré. Le maître kebabier. Je ne remonte pas là-haut, c'est trop dangereux. Ok, ok. Ah, mais j'avais pas vu le gros bloc de jelly, quoi. Donc... c'est super. Et du coup, est-ce qu'il faut que je retourne chercher du gros mage ou pas? Ça marche plus. Ah, le fromage maintenant il est baisé. Est-ce que ça s'est pas réchauffé? Cette fourchette est plantée dans le fromage. Du coup, maintenant, ça chauffe. C'est un grand faitout en fonte et il a l'air lourd. Mais non, mais... le barbecue. La lave, c'est idéal pour chauffer un barbecue. Ah, bah, j'ai encore du fromage. Je vais prendre ça pour le donner à Agis. Voilà, Agis. Ça nous aidera sûrement à colmater le bateau. Oui, mon gars, c'est ce qu'il nous faut. Ça a la consistance du goudron, mais avec une saveur. Tu me donnes ta lotion maintenant? Oui, mon gars, vas-y. Ah, elle a lotion sur le chien. Putain, elle a lotion sur le chien. Trop bien. Substitut de goudron. Ah, mais jamais, jamais vous me dites c'est une raclette. C'est le fromage fondu de Haggis. Il m'en a déjà coûté assez de l'amener ici. Jamais vous dites que une fondue c'est comme du goudron, hein. Jamais, hein. Hop, les poils. Coucou Bibi la diva, comment ça va? Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Putain, mais je sais pas. Hein? C'est écrit 100% pure graisse d'agneau. Ça adoucit et ça nourrit. Non, Twinson, pas d'indice pour l'instant.
Là, je suis encore en train de me creuser la tête. Je ne vois presque rien avec ce masque. Qu'est-ce que j'ai besoin de lubrifier ? La porte là. Hein ? Je ne veux pas lubrifier ça. C'est pas moi les outils. Je ne veux pas lubrifier ça. Il y a un truc à lubrifier quelque part. Un truc à lubrifier. Moi je sais, mais c'est pas encore l'heure pour en parler. Crypte de la famille Bonne Soupe. C'est verrouillé. Tabasse tout, je allez. Je peux pas frapper ça avec un maillet. Et tabasse tout. Tabasse tout qu'on te dit. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas lubrifier ça. Bon. Bon. Elle concentre la lumière dans le fanal pour guider les navires. Du beau travail. Il est brisé. C'est là qu'irait la lumière du phare s'il y en avait. Avec toutes ces fenêtres cassées, pas étonnant que la lumière... Je ne veux pas lubrifier ça. Je vais essayer. Voilà. Hop. Sur la plage, j'ai que dalle. Il y a le nid, il y a les rochers, il y a les VA. Oh, je vais tout tenter. Hein. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Ah, oh, ce jeu de l'enfer, quoi. La porte là-bas, elle est verrouillée, la porte du moulin. Est-ce que je peux lubrifier les portes, les ailes? Est-ce que je peux lubrifier les ailes du moulin? Pour qu'il tourne trop vite. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Utilise-les, je sais pas, moi. Ça a un goût de poulet. Quoi? Ça a un goût de poulet. Un goût de poulet. Non. Je ne veux pas lubrifier ça. C'est un goût de poulet. Dis pas que j'ai pas essayé avec l'écuelle là. Oh putain, c'est long ça. Pas double cliquer, non, ça marche pas. Je ne veux pas lubrifier ça. Bon, je peux pas raser le chien. Raser le chien. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Oui. Pas d'humour. Pas d'humour dans ce jeu. Pas d'humour. Pas de rigolade. Le but, c'est pas de se marrer. Hein.
Le but, c'est de se prendre la tête. Attendez, je change juste un truc. Hop. Ouais, tout est ok. Ah, un petit peu de retard de rendu. C'est pas grave. Alors. Le vieux cabot aveugle, les poils de chien, la niche. L'écuelle, on peut prendre l'écuelle ou pas? Mon masque ne me servira à rien ici. Mon masque ne me servira à rien ici. Couler au chien! Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Là, il y a le barman Rebou. Et ici. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des vieux portraits. Mais oui, il y avait ça, il y avait la graffe là. Dans le clou. Le clou. J'avais oublié le clou. Je ferais mieux de me débarrasser de ce cadre de tableau. Ah merde. Il y a une marque au mur maintenant quand même. Il y a une marque au mur là quand même. Hein. Ça se voit qu'on a viré un truc. Hein. Je veux pas dire mais on est grillé. Hein. Il y a un clou. C'est un affreux portrait. Il ressemble au barman. C'est un clou qui sert à accrocher un tableau. Ok. Je suis con, j'allais dire... Je suis un abruti. J'allais dire, je vais montrer la photo du chien. La photo du barman au chien. Mais ce connard de chien, il est aveugle. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ah non, il aimerait pas ça, mais on avec s'en ça, fout. Le clou ne servira à rien. Avec ça, le clou ne servira à rien. Avec ça, le clou ne servira. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Avec ça, le clou ne servira à rien. Quand tu auras 5 minutes, faudra changer le titre du stream. Avec ça, le clou ne servira à rien. Bah, j'ai changé pourtant. Il est bon le titre du stream. Reload ta page, je pense que c'est de ton côté. Parce que moi, de mon côté, le titre du stream, c'est ok.
Avec ça, le clou ne servira à rien. J'ai un maillet et un clou. Ça viendra à point quand je trouverai quelque chose à clouer. Je ne pense pas que ce soit un bon... Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Ok. Je ne veux pas lubrifier ça. Non mais là, le lubrifiant c'est du WD-40, donc y a pas le quoi. Ok Bibi, et bah des bisous, c'est gentil d'être passé. Merci beaucoup. Je vais essayer d'avancer dans ce jeu. J'ai un clou. Merci beaucoup. J'ai un clou. Et un maillet. Je pourrais clouer le chien. Non, on fait pas ça. J'ai un clou, j'ai un maillet. J'ai le clou du spectacle. Tu penses que ça... Putain, tu penses que c'est ça? Tu penses qu'il faut aller sur la scène? Les lanternes. Je peux rien faire avec les lanternes non plus. Regarde, il y a la scène. Tableau d'affichage. Je peux pas mettre le... Regarde, il y a sur la scène. Le clou sur la scène, regarde. Avec ça, le clou ne servira à rien. Ah, ça marche pas. Avec ça, le clou ne servira. Ça, est-ce que ça marche? Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Pourquoi? Pourquoi ça serait pas un putain de bon endroit? Le barbecue. Les lanternes Tiki. Si je lubrifie la scène, c'est ok ou pas? Je ne veux pas lubrifier ça. Putain, mais tu veux lubrifier quoi? La fourchette. Pour la sortir. Je ne veux pas lubrifier. Regardez WD-40, paf. Non, ça ne marche pas. Caisse 1. La plaque. La carte de tarot. Ah! Regardez un singe à trois têtes. Ah, les prophéties disaient donc vrai. Où ça? Je ne vois rien du tout. Il a dû s'enfuir. C'est un très mauvais présage. Non, avec Motul, on fait rien du tout. Je ne veux surtout pas l'irriter. T'as oublié la première partie de la blague. C'est avec Castrol. On s'envole. Shit, la cruche, le barman. Non, ça me brûle l'œsophage. C'est une carte de tarot où il est écrit mort. Super. Allez, Twinsen. Allez, c'est ton tour. Je veux bien un indice pour le rasage de chien. Comment récupérer les poils du chien? Alors un indice, hein. Pas direct. Hein. Je veux bien un indice. Fais des bulles. Et quoi, tu veux que je fasse des bulles? Donne quoi un chien? Des coups de pied? Oh, mais quelle horreur! Non, fais pas ça.
Alors, on donne quoi un chien? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et de la pâtée. C'est de la pâtée? Faut mettre de la pâtée dans son dans sa gamelle? C'est ça qu'il faut faire? La mort aura. Quelle horreur. Quelle horreur. J'aime pas les chiens. De toute façon, t'aimes rien, toi. Fou, ça. C'est gentil et tout touché. On donne quoi un chien? De l'amour et de la pâté, moi, je dis. Hein. Est-ce que je me rapproche? Est-ce que je me rapproche en disant de l'amour et de la pâté? Ou un vieux biscuit pourri. Mouais. Mouais, c'est pas ça. J'avais vu les brochures. J'en ai déjà un. J'ai pas vu les brochures. C'est écrit, visitez Big Whoop pour votre plus grand tourment. Je veux dire plaisir. Si vous êtes un pirate doté d'une bonne charpente osseuse et résistant à la douleur, mais résistant à la douleur est barré et remplacé par ayant soif d'aventure. Alors Big Whoop est fait pour vous. Visitez Big Whoop, ne tardez pas. Il n'y a ni photo, ni carte. Il est simplement dit qu'on s'amuse comme des fous à Big Whoop. Qu'est-ce qu'on donne comme réponse qu'on pense? Un os. Un non-os. On donne un non-os au chien. Je ne veux pas lubrifier ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on donne un non-os au chien? C'est verrouillé. Terre gratuite. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. La voyance n'a rien à voir avec ça. Miller l'ivrogne. Ici repose le vieux Miller. Il a fait de vieux os. Il a avalé de l'herbicide avec un zeste de citron. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Ouais, bah ça m'a pas avancé des masses. Hein. Si c'est vraiment un os, j'ai aucune idée d'aller où, de où aller choper un os, quoi. Là il y a le crochet mais je peux pas récupérer le crochet. Il y a la crème. J'ai tout utilisé avec le chien. Sur le chien tu veux dire? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mon masque ne me servirait à rien ici. Ballon. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas utiliser un ballon. Ok. Mais des trucs, enfin le. Putain. Ow, il m'a mordu. Ah ça y est, il m'a enfin mordu. Et c'est à partir de là que qu'on peut faire les trucs. Nous sommes au-dessus de ce genre. Depuis cette sombre histoire du caniche de ma tante, je ne peigne plus les chiens.
Ça a un goût de poulet. C'est écrit 100% pure graisse d'agneau. Ça adoucit et ça nourrit. Je ne vois presque rien avec ce masque. Encore, mais j'en ai plus de biscuits là. Biscuits, je l'ai plus. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. Nous sommes au-dessus de ce genre. Encore, je pige pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier ça. Encore, je pige pas ce que tu veux dire par encore. Mon instinct de pirate me dit que je ferais don d'une dent en or. Je ne peux pas coller ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas que ce soit un... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Avec ça, le clown servira. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Le burin ne servira. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. La baguette magique n'a pas des... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. On peut prendre ses poils, bah... Ah ! T'en fais pas, ça ne te fera pas mal. Putain, mais il merde. Il n'a pas dû avoir mal, il est en pleine mue. Putain, mais merde. Mais comme d'hab, hein, comme d'hab, je cherche des énigmes. Là où c'est juste, bah, vas-y, faut attraper, quoi. Putain. C'est ouf en fait, c'est le jeu me mind game quoi, vraiment. C'est y a pas d'énigme et je cherche comme un glandu pendant super longtemps, alors qu'il y a juste à attraper quoi. Mais pourquoi il y a un putain de la crème à raser et tout quoi. Ce sont quelques poils du chien qui m'a mordu. Chut. Merci. J'ai tous les ingrédients nécessaires. Je vais me faire une dose tranquille. Faire une petite dose. Ça a une jolie couleur. Hein. Ça va mieux. Tiens, tu peux prendre le reste. Alors. J'aimerais boire un verre. Tout de suite. Que prends-tu ? Donnez-moi un cocktail fruité avec un petit parasol. Très bon choix. Toute la saveur unique des îles. À base de citron, de pamplemousse et de bœuf. Oh. Je ne peux pas avoir un de ces mini-parasols décoratifs dans mon verre. Je pense que je n'en ai plus. Non, je me trompe. Il reste celui-ci. Et hop là. Et hop là, un petit parapluie. Ah, Papa Pichou, prenez votre verre. Je ne pense pas qu'on se connaisse. Qui êtes-vous ? Je suis Griswold, le dernier des bonnes soupes propriétaire de cet hôtel. Tu as certainement entendu parler de notre grande chaîne de restaurants au bon potage. Eh bien... Cet oui. établissement était oui. notre fierté. Mais il a perdu sa clientèle une fois que le mont Acidophilus a cessé de cracher le feu. Le volcan s'est réveillé ? Oui, je sais. L'Empire Bonne Soupe est sauvé. Eh bien, je suis content pour vous. Bientôt, notre établissement regorgera de touristes venus voir le volcan. Et je pourrai monter le show sur lequel je travaillais il y a quelques années. C'est quoi comme show ?
Voulez-vous Vichyssoise, une tragédie musicale à propos d'un jeune chef parisien qui est cruellement écarté du tout Paris culinaire parce que ses préparations de potage sont révolutionnaires? Je suis sûr que ce sera un succès. Ah oui, dis donc, ça a l'air d'être chouette, hein. Moi, j'ai envie de le regarder, hein. De l'île du sang. Oh, c'est un chapitre très triste dans l'histoire de ma famille. Ma grand-tante, ministre Honey Bonnesoupe, était une femme très en vue sur l'île. Mais elle avait une nature trop romantique. Elle avait un faible pour les pirates, et un en particulier. Elle tomba amoureuse d'un pirate, et au bout d'une semaine, ils étaient fiancés. Mais le jour des noces, il s'empara du diamant de famille qu'elle portait à sa bague et le revendit au contrebandier de l'île du Crâne. Elle continua à porter la bague sans diamant et mourut quelques jours plus tard. Il lui arrive de venir hanter le tombeau de la famille Bonnesoupe. C'est une triste histoire, non? Oh, excusez-moi, je n'écoutais pas. Pourriez-vous répéter? Et puis quoi encore? Quel connard! Quel connard! Simple question, comment peut-on pénétrer dans le tombeau de votre tante? Il faudrait mourir pour cela. Oh, la poisse! Comment ferait-on si on voulait entrer dans le tombeau de votre tante? Il faudrait mourir pour cela. Comment faire pour aller sur l'île du Crâne? Il y avait autrefois une navette pour l'île du Crâne. Autrefois? La légende dit que par une nuit glaciale, le Gallois a pris la mer avec son canot. Le brouillard qui enveloppait l'île était à couper au couteau, mais le Gallois apercevait quand même la lueur du phare de l'île du sang. Il avait parcouru la moitié de la distance quand le signal du phare s'éteignit mystérieusement. Et le pauvre Gallois fut perdu à tout jamais, ou presque. Presque? Certains prétendent qu'au cœur de la nuit, si on regarde intensément dans le brouillard, on peut apercevoir le Gallois volant, perdu pour toute l'éternité, dans son canot. Effrayant. Ok. Comment vont les affaires? Oh, mais c'est merveilleux. Maintenant que le volcan s'est réveillé, on croule sous les réservations. Bientôt, toutes les chambres de l'hôtel seront prises. À l'exception... Ça fait 10 minutes, quoi, mais... Chambre. La chambre où le client n'est jamais parti. Est-ce que ça fait peur? Parce que je vous préviens... Toutes les nuits, d'étranges bruits nous parvenaient de cette chambre. Des bruits de choc terribles qui ébranlaient tout l'hôtel et qui étaient suivis de cris et de jurons terrifiants. Puis, une nuit, les bruits ont cessé pour être remplacés par d'effroyables gémissements. J'ai posé des scellés et j'ai juré de ne jamais plus entrer dans ce lieu maudit. Fais péter. L'histoire... Allô? J'aimerais boire un verre. D'accord. Alors, là j'ai pris les trucs. Là il y a les vieux portraits. Est-ce qu'on peut pas les pousser, les vieux portraits? Pousse. Que pourrais-je faire des portraits de la famille Vansalade? C'est une série de vieux portraits. Pousse-les. De la famille... Non. Le débrume-cerveau. Qu'est-ce que? Débrume-cerveau pour les lendemains difficiles. Ok. C'est un parapluie Cervantes, une marque très chic. Non. Ok. C'est verrouillé. C'est une des chambres d'amis. Je vais la laisser ouverte. Il y a une drôle d'odeur dans ce couloir. Elle donne sur le cimetière. Non.
Ce serait agréable, mais j'ai une fiancée. J'ai un parapluie et un débrume-cerveau. Je suis bien avancé, hein. La banquette lit, les portraits. Là, il y a toujours rien. Ok. Faudra pour. Ah non, Twinsen. Molo. T'es encore en train de me spoil des trucs là. Non mais oui, mais rien que le fait de me dire qu'il va falloir ouvrir la porte. Parce qu'il y a des portes dans, il y a des portes dans le jeu en fait où c'est marqué, c'est verrouillé. Et juste. Elle reste verrouillée en fait, on s'en fout. Là dans le. Tu vois, dans le cimetière, il y a des portes verrouillées. Tu vois, là, celle-là, elle est verrouillée, celle-là, elle est verrouillée. J'imagine qu'il n'y a que la crypte qu'on peut ouvrir. Celle-là, ça te dit juste c'est verrouillé, mais je pense qu'on l'ouvrira jamais, en fait. Donc, rien que le fait de me dire qu'il va falloir qu'on ouvre la porte, c'est me spoil, quoi. Donc, je reste campé sur mes positions. Pas de spoil, et ce genre de petite information, c'est du spoil, en fait. Donc, merci de ne pas en faire. Voyons si cette lotion grasse peut m'aider à réussir. Ça devrait marcher. Cette satanée bague a explosé. C'est le doigt d'Hélène qui attend une nouvelle bague. Si on change la valeur de ça, ça fait poil. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le... Elle a l'air d'être saine et sauve, à part cette satanée malédiction qui l'a transformée en statue d'or. Il est occupé à réparer le bateau. Ok, donc à Guis, on peut rien faire. La clairière, la plage. Kyodal à la plage. Il veut pas y retourner. Hein. Je ne remonte pas là-haut, c'est trop dangereux. Ok. Avec ça, le clou ne servira à rien. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. C'est un affreux portrait. Il ressemble au barman. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ok. Je ne pense pas qu'il aimerait ça.
c'est Griswold Bonne Soupe. Redites-moi l'histoire de cette bague. Le fiancé de feu ma grand-tante vola le diamant et le revendit. Comment ferait-on si on voulait faut être mort, qui dit ? Redites-moi l'histoire de cette bague. Ouais. L'île du crâne, faut vous surveiller le mec là. L'île du crâne, ouais, il y a le mec qui s'est paumé. Comment vont les affaires? Il disait toutes les chambres allaient être prises, sauf une, celle qu'on peut pas. Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang. Bon. Avec ça, le clou ne servira à rien. Ok. Avec ça, le clou ne servira à rien. Je ne peux pas forcer la serrure avec ça. Ah, je ne peux pas forcer la serrure avec ça. Je ne peux pas forcer la serrure. Donc, faut forcer la serrure à quelque chose. Je ne peux pas forcer la. Je ne peux pas forcer la serrure avec ça. Mais le grog. Mais oui. Impec. C'est miné grog. Merde, il le boit. Ah, papa Pichou. Reprenez votre verre. Cette cruche est pour les pourboires. Remets-la. Mais j'avais l'intention d'y mettre beaucoup d'argent. Plus que je ne peux en prendre sur moi. C'est pourquoi je dois l'emmener pour la remplir. Dans ce cas, c'est bon. Ok. Ok. Cruche vide et le couvercle de la cruche. Putain. C'est le couvercle de la cruche à pourboire. C'est vide. Ok, c'est vide. Attendez. Le moignon à un sanglant. Pomme de terre, la baleine bleue, flame. Tigre gonflé, zombie des marécages. Mort. À l'alcool. Page a été laissée en blanc. J'aimerais boire un verre. Je te prépare ça. Ok. Un grog. Cruche vide. On n'utilise pas une cruche avec ça. Le couvercle n'ira jamais là-dessus. Je ne veux pas déjà la refermer. Donc faut mettre quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? J'ai aucune idée. Sous? Ça ne prend pas de jetons en bois. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Pickles, le crachoir. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. Si je mets de la lave dedans. On peut ou pas? Pour information pour ceux qui se concernent à un compte Ubisoft, du
14 au 18 décembre, il y a des jeux, il y a des cadeaux comme des jeux gratuits, des objets in-game et plus encore. Ok, ça peut intéresser des gens effectivement. La voyance n'a rien à voir avec... Non. Non. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Qu'est-ce que je peux mettre dans la cruche ? Cimetière, j'ai pas grand chose. Le moulin avant, j'ai pas grand chose. Oh, mais sur Epic Game, c'est habituel qu'il y ait des trucs gratos. J'ai peur que le sel de l'eau de mer ronge le couvercle vissable. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une... Je ne remonte pas là-haut, c'est trop dangereux. Je ne remonte pas là-haut, c'est trop dangereux. Putain, j'ai pécho une cruche, mais... Parapluie. Du débrume cerveau. Pas l'utiliser sur lui, le débrume cerveau, là. Oh, je ne peux pas l'ouvrir. Au diable, les sécurités, enfant. Ok. Débrume cerveau, pour les lendemains difficiles. Ok, ok. Je ne veux pas lubrifier ça. Je ne veux pas lubrifier, je ne veux pas lubrifier, je ne veux pas lubrifier, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux, je ne veux, je ne veux, je ne veux, je ne veux pas, je ne veux pas lubrifier ça. Oh là 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 là, je sais même pas ce que j'ai à faire en fait là. Là je sais même pas ce que j'ai à faire réellement. Ah si, aller dans le... Si. Aller dans le truc là. Aller dans le mausolée pour sûrement récupérer une clé ou une connerie. Mais comment faire ? Avec ça le clown servira. Avec ça le clown. Avec ça le clown servira à rien. Le couvercle. Je ne veux pas déjà la refermer. Pas dans les récipients. Un tonneau de rhum, deux bouteilles de rhum, une mesure de rhum, trois truyas, et deux coriandres. Vodka. Vodka, rhum, trois citrons. Buvez à tequila, mélangez, éliminez les autres ingrédients. Non mais ça on a fait le tour je pense. Là il y a un tonneau, ça pourrait être un tonneau de rhum ça. Mais pour ça je pense qu'il faudrait monter. Pour monter il faut ouvrir la porte. Ouais. Le clou. Pas acheter la porte.
Avec ça, le clown servira. Et des fois. Des fois. Maintenant, elle est pleine d'eau sucrée. Il y a déjà plein d'eau sucrée dedans. C'est rempli d'eau sucrée. Je ne veux pas déjà la refermer. Ah, faut que j'ajoute d'autres trucs. La bouteille est fermée. Je ne veux pas lubrifier ça. De l'eau sucrée. Nous sommes au-dessus de ce genre d'humour facile. J'ai de l'eau sucrée. Dans un bordel là. Est-ce qu'il faut que je reprenne des piments ? J'en ai juste besoin d'un. J'ai de l'eau sucrée. Et j'ai aucune idée de ce à quoi ça me sert. Quoi foutre? On n'utilise pas une cruche avec ça. Ah non, on n'utilise pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ok, l'eau sucrée est merde. On n'utilise pas une cruche avec ça. De l'eau sucrée. On n'utilise pas une cruche avec ça. Ça peut me servir. On n'utilise pas une cruche avec ça. Avec ça, le clou ne servira à rien. De l'eau sucrée. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. La voyance n'a rien à voir avec ça. De l'eau sucrée. Je ne peux pas coller ça. Ah. Je ne peux pas coller ça. D'accord, ça ne marche pas. De l'eau sucrée. Mais quoi? Mais hein? Si je lui redonne, ça donne quoi? Mon instinct de pirate me dit que je dois conserver ça secret. Ok. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. Putain, mais avec... Je piche pas pourquoi j'ai de l'eau sucrée. On n'utilise pas une cruche... Faut que j'ajoute quelque chose dedans, en fait. S'il me dit que je peux pas la fermer, c'est parce qu'il faut que j'ajoute quelque chose dedans. Mais quoi ? Le lys. Pourquoi j'avais du lys? De l'eau sucrée. Désolé, hein, je répète beaucoup de l'eau sucrée, mais j'essaie de trouver à quoi ça peut me servir. Et peut-être que me le répéter 150 000 fois, ça va me filer une idée, quoi. Plutôt avec les lys. On n'utilise pas une cruche avec ça. Putain de merde. Je veux dire zut. Désolé pour le coup dans le micro. Je veux dire zut de flûte. Je voulais pas dire putain de merde.
Qu'est-ce que... Souvent les objets quand je les chope, voilà j'ai une vague idée de ce à quoi ça peut servir quoi. Mais là de l'eau sucrée. Un tonneau de rhum, deux bouteilles. Là il n'y a que du rhum, on s'en fout. Vodka, rhum, 3 citrons. Tasse de rhum. Une vodka grenadine. Le jus d'un saumon. Ça doit pas être très bon. Hein. De la cruche. Le couvercle n'ira jamais là-dessus. Le couvercle n'ira jamais là-dessus. Le couvercle n'ira jamais là-dessus. Ok, donc c'est pas ça. Il n'y a pas de lumière. On n'utilise pas une cruche avec ça. On n'utilise pas une cruche avec ça. Punaise. N'utilise pas une cruche. Avec ça, le clown servira à rien. Elle est remplie de délicieuses eaux sucrées. Cette eau doit être un délice. Je dois voir que c'était un peu au pif, hein, mais... Ces petites bêtes brillent de tout leur feu. Il n'y a pas de lumière. Hein? Oh non, toutes les lucioles ont suffoqué. Avec ça, le clou ne servira à rien. La cruche doit être utilisée avec autre chose. Je n'ai pas fait cul sec avec une cruche de luciole depuis le collège. C'est un tas de lucioles mortes qui flottent dans de l'eau sucrée. Elle réouvre le truc, en fait. Non. Je ne veux pas lubrifier ça. Ok, donc là, à Vienne. Avec ça, le clou ne servira à rien. Fais des trous. Voilà, j'y ai percé des trous. Voilà. Ces petites bêtes brillent de tout leur feu. Parfait. Ok, ça avance. Elle concentre la lumière dans le fanal pour guider les navires. Du beau travail. La lumière est allumée, mais il n'y a pas de miroir pour la réfléchir. Je n'ai rien pour le remplacer. Et donc, il me faut... Il me faut un truc... pour remplacer le miroir. Est-ce que le magnète... Je ne peux pas aimanter ça. Non, ça ne marche pas.
il me faut un truc pour... Je ne veux pas lubrifier ça. Pour remplacer le miroir. Il me faut un truc pour remplacer le miroir. Si je mets Hélène à la place, non? Je crois que je peux pas la soulever. Sans vouloir t'offenser, Hélène, tu es bien trop lourde pour que je t'emmène. Voilà. Il faut que je remplace le miroir. Toujours pas réussi à rentrer ici. Hein. Je peux pas utiliser le parapluie avec ça. Je peux pas utiliser le parapluie avec ça. Je peux pas utiliser le parapluie avec ça. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. La voyance n'a rien à voir avec ça. La voyance n'a rien à voir avec... Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Moi non plus, mais j'essaye quand même. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. Il faut un miroir. J'ai un truc qui ressemble au barman. Faudrait un miroir. Pardon. Là, j'ai du grog. Bon, ça, il m'a dit tout à l'heure qu'il fallait pas que je lui montre. La voyance n'a rien à voir avec ça. Je ne pense pas que ce soit un... Je ne pense pas que ce soit un bon endroit pour le portrait. J'ai plus le clou, tiens. Ah, si, il est là. Oh là là, je suis débile. C'est un clou qui sert à accrocher un tableau. Ah, c'est un clou qui sert à accrocher un tableau. Le navire représenté est le lion des mers. C'est un clou. Ah bah il y a le miroir là. Ah si, il y a le miroir. Je vois un jeune pirate impétueux dans ce miroir. Ah mais je suis un con. Ah merde. Ah j'ai rien vu. Ici, tu viens de prendre mon miroir ? Non. Tu mens, avoue-le. Oui. On ne touche pas. Ça va, j'ai compris. Ok, ok. Donc. Oh, quel rose péteur. Je prends le miroir. Oh non, rien. On prend le miroir. Et on met à la place le portrait du mec qui lui ressemble. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Comment ça n'ira pas? Ah, ça n'ira. Avec ça, le clou ne servira à rien. Comment ça, ça n'ira pas? Avec ça, le clou ne servira à rien. Comment ça? J'ai un maillet et un clou. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Comment ça, ça n'ira pas? Mais si ça n'ira. Il est trop grand pour être accroché là. Il est trop grand. La voyance n'a rien à voir avec ça. Non. Je peux pas utiliser le parapluie avec ça. Le burin ne servira à rien avec ça. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. La bouteille est fermée.
Avec ça, le clou ne servira à rien. Pété ? Coup de maillet ? Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. On a nos ciseaux qui coupent tout. Je ne veux pas couper ça. Voilà, j'ai découpé le visage. Tu viens de voler ce miroir, admets-le. Mais c'est faux, il est là, regardez. Oui, tu vois. Merde. Je n'ai plus l'air tout jeune. C'est sûrement la boisson. Mêle-toi de tes... Oh, c'est pas sympa. Bon, voilà. On a réussi à l'entourlouper. C'était une belle entourloupe, hein. Alors, on a le miroir. Le phare fonctionne maintenant. La musique, elle me fait penser à Metroid Prime. Le petit truc là, tout doux. Et un peu dans le même genre dans le Metroid Prime, je trouve. Oh! Oh! Wesh gros! Intimidant. À qui ai-je l'honneur? Je suis le Galois égaré. Oh! Comment il s'appelle? Comment il sait qu'il s'appelle comme ça? Qui navigue entre ici et l'île du crâne, prisonnier depuis si longtemps des brumes glacées. Oh, comme je déteste la brume. Ah bon? Moi, je trouve que c'est poétique. Bien sûr, c'est joli, la brume. Mais Dieu, que c'est terne. J'aimerais aller jusqu'à l'île du crâne. Jamais plus. Je ne repartirai dans cette purée de poids sans compas. J'ai défié le sort une fois de trop. Et regarde dans quel état sont mes vêtements. Regarde donc comment je suis trempé. Eh bien, c'est un coup de chance, j'ai justement un compas sur moi. C'est alors, pas un compas, c'est une boussole. Mortel, je te guiderai jusque-là. Des tempêtes et des dangers mystérieux t'attendent sur l'île du crâne. Je n'ai pas peur. Ça viendra. Faut du don. Ça viendra. Yes. Même les plus braves craignent cet horrible endroit. Sois courageux, fiston. Tu as devant toi le terrible, l'horrible spectacle qu'offre l'île du crâne. On dirait un canard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas un crâne? Cette île n'a pas du tout la forme d'un crâne. Elle ressemble à un gigantesque canard. On devrait l'appeler l'île du canard. Dans ce cas, tu n'es pas dans le bon angle. Tourne un peu la tête et... Oh, ça me glace les os. Si je change mon angle de vue, je vois un lapin. Tu vois cette lumière sur la falaise? C'est la grotte des contrebandiers. C'est le roi André, le plus grand de tous les contrebandiers, qui en est le chef. Son assistant s'appelle Gruff, une crapule. Comment grimper jusque-là? Tu dois d'abord aller en haut de la falaise. Tu ne viens pas avec moi? Non, tu dois y aller seul. Tu trouveras là-haut quelqu'un qui t'aidera. Mais méfie-toi du roi André. Il est aussi impitoyable qu'il est chauve. Bonne chance. Putain, des canards, des mecs chauves. c'est l'île idéale pour moi, ça, dis donc. On va faire une petite sauvegarde quand même. Ça fait longtemps. Hop. On va appeler mec chauve. Il y a le mec qui s'occupe du treuil. Nuage. Il est super. On dirait un grand escargot volant. C'est vrai. c'est vrai. Effectivement.
Bonjour, pouvez-vous me dire comment trouver les contrebandiers de l'île du crâne? Je sèche. Oh, mais attendez un peu, je pense que ça me revient. Putain, c'est Jim Carrey encore. On avait parlé au cours d'orientation. La grotte est en plein milieu de la paroi de la falaise. Montez sur ce mont de charge. Bah, chauffe, t'as un joli mohawk. Je vais vous faire descendre. Il n'a pas l'air solide. Vous êtes sûr de vous? Non. C'est la première fois que je m'en sers, mais je suis sûr que ça ira. Je remplace Barbe Rouge, qui est tombé malade. C'est lui, le spécialiste. Je n'ai qu'à croiser les doigts. Quel est votre nom? Je m'appelle Au Pied. Bah, peut-être pas tout de suite, quoi. Je pouvais faire d'autres trucs. Tant pis. C'est un monte-charge à manivelle. Il y a une grotte plus bas dans la paroi. Je ne pourrai jamais l'atteindre sans tomber. Le sommet de la falaise, la paroi de la falaise. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas le choix en fait. Je maintiens qu'on dirait un canard. Trop bien les canards. Bah vas-y, Igor. Oui. Voulez-vous me descendre à la grotte des contrebandiers? Bien sûr, avec plaisir. Vous ne devez pas faire de, disons, 10 kilos, c'est ça? En fait, ce serait plutôt 60 kilos. Oh. Bah, ça coûte rien d'essayer. Vous êtes sûr de votre coût? Oui, ça ira. Vous ne pesez pas très lourd. Putain. Mm-hmm. Putain. Ce nœud est-il bien serré? On est parti. Putain, Jim Carrey. Ok, donnez-moi un peu plus de mou. Ouf. Maintenant, il y a trop de mou. Ah! Ok, faut que j'utilise mon inventaire. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre que c'était pas une vidéo. Oui. Essayons encore ce truc à descendre les falaises. Voilà, je pense que j'attrape le truc. Soyez plus prudent cette fois. C'est promis. Allez. On est parti. Let's go. Je tiens bon. Je tiens bon. Je ne l'ai pas. Merde. C'était évident qu'on allait faire du Mary Poppins. Oh là là. Oh là là. Il y a tellement de trucs à dire. Eh, dis donc. Alors, écartez-vous ou bien ça va saigner. Écartez-vous ou bien ça va saigner. Comment foutre la merde direct, quoi. Hein? Ça va saigner pour moi. Je me suis fait un bobo sur les rochers. Oh, ça fait un bobo. Un visiteur indésirable, Croft. Occupez-vous de lui. Mince alors, je vais réessayer. Bonjour l'ami, vous avez des diamants? Figurez-vous que je suis à court. Allez-vous-en. Mince alors, je vais réessayer. Dites-moi, où est cet énorme diamant que vous êtes censé avoir? Attrapez-le, Croft. Mince alors, je vais réessayer. Bien le bonjour, je suis le nouvel inspecteur diamantaire. Je suis obligé d'inspecter tous vos diamants, tous sans exception. Allons mes braves, on se dépêche, je suis pressé. Je n'aime pas cet homme, tuez-le. Mince alors, Non, pas ça. J'ai tellement d'argent que ça en devient presque gênant. Bonjour, que voulez-vous, monsieur? Comment je vais mentir? C'est bien ça. Von Gudorfansson. J'ai trop vent goût. Van Gudorfansson. J'ai trop Van Gudorfansson. Très bien, monsieur Srip. J'ai pas compris. Hey, comment connaissez-vous mon...
Ça fait partie de ma fonction de savoir qui arrive sur l'île du crâne et qui en sort. Je suis le roi André et voici mon associé Kruff. Vous cherchiez quelque chose de précis? Le diamant de la famille Bonne Soupe. Le Chuck l'a volé, vous l'avez acheté, je le veux, maintenant. S'il vous plaît, monsieur? Mais nous avons bien d'autres articles de choix au Pirate Club. Nos prix baissent chaque jour. Nous avons tout ce dont a besoin un pirate ou un apprenti pirate. Et au meilleur prix. Alors, je ne pige pas. Pourriez-vous vous abstenir de rire comme ça? Vous êtes un curieux personnage. Le diamant Bonne Soupe est le fleuron de ma collection. L'incroyable énergie qui s'en dégage est la clé de ma puissance. Vous me le cédez? Il n'en est pas question. À moins que votre offre ne soit alléchante. Vous voulez que je fasse une offre? Non, monsieur Threepwood. Je veux que vous achetiez. Ce diamant devrait être dans un musée. Tout comme les tableaux post-impressionnistes, monsieur Threepwood. Tout comme les tableaux post-impressionnistes. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Un jour, vous comprendrez. Je vais jeter un œil sur vos objets. Ah. Alors, il y a un lustre, une peluche de contrebande. Oh, mais il y a tellement de trucs. Oh là, il va y avoir trop de trucs. Il va y avoir trop de trucs, ça va être chiant. Des peluches, des coffres. C'est trop mignon, je ne veux pas perdre mon côté pirate sanguinaire. Le roi André. Chose onéreuse. Prendre. J'espère que vous êtes prêt à payer le prix. Sans importance. Ok. Oh. On n'ouvre pas cette porte. Excusez-moi, je voulais juste m'assurer que monsieur Threepwood était bien arrivé. Ok, je prends juste 2 secondes, je vais ouvrir au petit chat qui veut sortir. Hop, alors. L'autre il ouvre là. Il ouvre et il y a. Il y a le lustre. La contrebande au clair de lune. C'est romantique. Si c'est un presque. Je m'en vais déjeuner si on a besoin de moi. La porte, il y a un courant d'air. Ok. Ah. Merde. Hop, qu'est-ce qu'on peut lui dire lui maintenant? Oui. Pensez-vous être en mesure de me descendre cette fois? Voilà, je pense que j'attrape le truc. On est parti. Ouais. Allez, tu peux le faire mon gars. Me revoilà. Heureusement que je n'ai pas peur de l'altitude. Non, je ne me sens pas très bien. La contrebande au clair de lune, c'est romantique. Qu'est-ce que... Quelqu'un connaît-il un bon restaurant thaï dans le coin?
N'ouvrez pas cette porte, les bougies vont s'éteindre. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Peluche, le roi André, chose onéreuse, la une couronne, épée, coffre. Je ne possède pas de tableau assez beau pour un cadre comme ça. Il vaut très cher, vous savez. Je m'en doute, je n'y toucherai pas. Arrêtez d'ouvrir cette porte! Oh, excusez-moi, je cherchais juste la pointeuse. On peut rien faire pendant qu'il ouvre. Il n'est pas très bavard. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer ces adorables lapins en peluche. Ah, les lapins en peluche, une de nos meilleures ventes. Ils ont tous une poche astucieusement cachée sous l'intestin grêle. Super, j'en prends un. Aucun d'eux ne contient le diamant. Oh, ça ne fait rien. Des jouets. Je voudrais un article de piraterie typique. Naturellement. Les articles de piraterie sont notre spécialité. Seriez-vous tenté par une jambe de bois ? Eh bien, cela dépend de l'usage qu'on en fait. C'était de l'humour. Ah bon ? Je n'ai pas vraiment tout saisi, mais je suis sûr que c'était amusant. Et des jouets. Vous avez des jouets? Justement, une nouvelle cargaison vient d'arriver hier. Ce seront à coup sûr des best-sellers. Prenez-en un. Tu vas jouer avec moi. C'est le Chuck. C'est le Chuck. Levez l'ancre de bois. Tu es mon marin préféré. Mais merde. Je t'arracherai la tête pour pouvoir cracher dans ta gorge. Ah. Ah, c'est pas très sympa, ça, hein. Je suis vraiment fixé sur ce diamant. D'accord. Vous êtes un adversaire de taille, Monsieur Sweetwood. Mais ce petit jeu du chat et de la souris doit cesser. C'est un diamant parfait, un des plus gros que j'ai jamais vu. Je le prends. Son prix est très élevé, vous savez. Assez tourné autour du pot, combien? Il vous en coûtera une véritable fortune. Vous saurez payer. Non. Combien avez-vous? Attendez que je calcule. L'argent que j'ai sur moi, plus mes actions en bourse, pas grand-chose. Je le craignais. Mais on peut conclure un marché. Mon partenaire et moi aimons beaucoup les cartes. Oh. Surtout le poker. Oh. Une petite partie, ça vous dit? Si vous nous battez, le diamant est à vous. C'est réglo. Oui, réglo. Pourriez-vous arrêter de rire comme ça? C'est agaçant. Alors, Monsieur Sweetwood, à vous de décider. On se la fait cette partie de poker? Oh là là. Pas hein? Question, je suis nul au poker. Merde. Qu'il est chouette. Tu es une adorable petite créature. Faisons un château de sable. Enterrons un trésor. Tu es un super marin. Je te couperai en morceaux, les requins se régaleront. Très chouette. Très chouette. Mais... Je ne peux pas coller ça. Non. On va mettre de l'alcool dessus, ok. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Non, ça ne me servira. 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 Allez. Allez. Non, ça ne me servira. 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 Non, ça ne me servira à rien. Je pensais vraiment qu'on pourrait le coller à quelque chose. Enfin, l'associer à quelque chose. Bon, je veux bien jouer le diamant au poker. Il vous faut payer un droit d'entrée. Et il est de combien, ce droit? C'est raisonnable. Je n'ai pas d'argent sur moi. Alors, pas de poker. Et si la chance n'était pas de votre côté, que se passerait-il? Qu'aurions-nous à y gagner?
Donc faut que j'ai de la thune. C'est trop mignon, je ne veux pas perdre mon côté pirate sanguinaire. Les caisses de peluche. On va lui piquer des trucs là. Chose onéreuse. Il vaut très cher, vous savez. Je m'en doute. Je n'y toucherai pas. Coffre au trésor, épée mortelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Le briefing sur le roi André. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ouais. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Bah, je suis pas très très sûr non plus. Je ne veux pas lubrifier. Je ne veux pas lubrifier ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Il me faudrait des sous. Mais. Les pirates zombies, c'est trop mignon. Coffre au trésor. J'espère que vous êtes prêt à payer le prix. Sans importance. Est-ce qu'on peut en manger ? Non. Une aubaine. Le cadre, l'épée, le coffre. La caisse de plus de contrebande, on peut pas les choper non plus. Il y a plein de maisons où elle ferait belle impression, mais pas chez moi. Là, ouais. Tu veux pas la poupée, lui. Non, ça ne me servira à rien. Non. Alors. Ça te presse pas, Guybrush, hein. Prends ton temps, hein, c'est ok. Excuse-moi. Je voudrais retourner à l'île du sang. A priori, hein, parce que. Je voudrais retourner à l'île du sang. Il doit me manquer des trucs. Hein. Cet endroit me fout les jetons. Sans importance. Moi, je sens un petit sandwich. Ok. Je vais la place là où j'étais. La voyance n'a rien à voir avec ça. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous recommencer ? On ne triche pas avec son destin, Guybrush. Les cartes ne mentent pas. Mais si tu insistes... Une fois de plus, c'est la morte. Ok. Ah, la chance revient. Pouvez-vous tirer les cartes à nouveau ?
La chance n'a rien à voir ici, Guybrush. C'est ta destinée. Peu importe. Que disent les cartes cette fois? La carte annonce la mort. Voilà que ça comme carte. Tu es sûr que le jeu est bien mélangé? Tu ne te rappelles pas les sortes dont je t'ai parlé? Ok, ok. Elle se doute de rien, quoi. Frappez-moi, hein? Frappez-moi. La morte. Vous en avez combien des cartes comme ça? Chaque fois, regarde à côté. Ah, hit me. Ah bah oui, frappez-moi, hit me. Oh là là. Et si vous me tiriez encore une fois les cartes? Le mal est à l'œuvre, Guybrush. Le sort a conspiré contre toi. Et personne ne peut intervenir. Ton chemin est déjà tracé devant toi. Ok, le message est clair et même limpide. Juste une dernière fois, pour Guybrush. Oh! Laissez-moi deviner, la mort? Va-t'en d'ici. Hein? Tu nous fais courir à tous un grand danger. Ta simple présence est synonyme de maladie, de tragédie et de mort. Ah bon? Eh bien... Démon! Démon! Hein? C'est pas sympa? Madame Xima, je... Va-t'en. Tous ceux qui t'entourent risquent de mourir. Rien de bon ne peut sortir de tout ça. Ok. Ok. D'accord. Donc j'en ai combien? J'ai 5 cartes de mort. Cela ne peut pas être bon. 5 cartes de mort. Ok. Est-ce que lui, je peux lui reparler ou pas? Tiens, il faudrait être mort. 5 cartes de mort. Faudrait que je meure. Faudrait que je meure. Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang. Ah, Papa Pichou, reprenez votre verre. J'aimerais boire un verre. Je te prépare ça. Ah, Papa Pichou, reprenez votre verre. Si je suis ivre mort, est-ce que ça marche? J'aimerais boire un verre. Régalez-vous, jeunesse. Impec. Ah, Papa Pichou, reprenez votre verre. Oh, ça fait rien. J'aimerais boire un verre. Régalez-vous, jeunesse. Il y a un truc à faire, hein. Ah, Papa Pichou, reprenez votre verre. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller dedans? On peut mettre de la crème à raser? J'aimerais boire un verre. Régalez-vous, jeunesse. Non, ça me brûle l'œsophage. Ok. Ça fait longtemps que j'ai passé l'âge de transporter la... Je ne peux pas coller ça. Ok. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Ok. Je ne veux pas lubrifier ça. Ok. La bouteille est fermée. Défonce-la, la bouteille. Voilà, c'est ouvert. Ah! Ah!
Ça rend la boisson bien plus savoureuse. Ça a déjà été corsé. Ah ! Je viens de me rendre compte qu'il est stupide et nocif de mélanger de l'alcool avec des médicaments. Ah, si au lieu d'un personnage fictif délicieusement naïf qui attend ses prochaines aventures, j'étais un être humain, je n'y penserais même pas. Santé ! Étrange, on dit que ça crée une somnolence. Je ne me sens pas du tout somnolent. En fait, je sens... Je sens... Il faudrait que je sois mort. Et alors, le croque-mort m'a dit, je voulais être un croque-mitaine, mais j'avais pas d'autorité. Je suis mort de rire. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Oh, il est comme ça depuis plus d'une heure. Raidement, il reviendra à lui. C'est pas sûr, je suis certain qu'il est mort. Alors il n'y a plus de raison de continuer ce jeu. Et dire que c'était le héros. C'est drôle ça, je ne croyais pas qu'on mourrait dans un jeu LucasArts. Ils expérimentent peut-être une nouvelle voie. Allez, le quatrième mur, bim. S'occuper de lui ? Bonne idée. C'est pas bon pour les affaires, un cadavre qui traîne. Qui repose en paix et tout le reste. Oh putain ! Ah, c'est expéditif, hein. Bon bah, fin du jeu. Hey ! Je ne suis pas vraiment mort. Allô ? Allô ? Allô ? Enlevez-moi ça tout de suite. Le disque... Putain, le disque rayé. Ce vieux truc de disque rayé, en fait. C'est comme... Merci. Le jeu était bien. Voilà, ça m'a fait plaisir. On va passer au 4. Bisous. Alors, je pense que le bruit de disque rayé, ça fait partie de ces choses qui, comme le symbole de la disquette pour l'enregistrement, malgré le fait qu'on... n'utilise plus en fait ces objets. Alors vous on va me dire si le disque vinyle ça revient à la mode, tout ça, il y a un son merveilleux, bon, faut arrêter de se branler un petit peu 5 minutes, Spotify, tout le monde utilise Spotify ou Deezer, hein, mais le bruit du disque qu'on scratch à l'envers, ça fait partie de ces trucs, ouais, qu'on continue à utiliser, quoi, c'est assez rigolo. C'est tout, j'avais envie de discuter avec vous. Maillet ? Vas-y au maillet, mec. Il faut utiliser le maillet avec autre chose. Je sais pas, moi. Les clous. C'est pointu. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Le burin et le marteau ? Non. Comment ça, non ? Hein ? Ah, tu lubrifies ? Lubrifies, mec. Non. Mange. Ça a un goût de poulet ? Super. Ouvre le parapluie. Peut-être plus tard. Non. Quoi ? Mets ton chapeau. Peut-être plus tard. Mais je peux utiliser sur quoi ? Ah ! Ah ! Ah, le cercueil, c'est celui-là le mien. Ça n'ouvre pas, je suis coincé. Je ne peux pas frapper ça avec un maillet. Pourquoi pas ? Tête de gland. Jamais. Oh ! D'où vient donc ce bruit de coups répétés ? Ça vient de l'intérieur d'un de ces cercueils. Ça vient des morts. Des morts qui m'entourent. Des morts qui m'entourent. Ils ne me laisseront pas en paix, non, tant que je n'aurai pas payé pour le mal que j'ai fait à... Mais qu'est-ce que je dis ? Je n'ai pas d'horrible secret. Oh, c'est Stan. C'est Stan ?
Dites-moi que c'est Stan. Que j'ai foutu dans un cercueil dans l'épisode précédent. Non merci, je ne veux plus avoir affaire à ça. Alors, cadavre. Je n'ai pas besoin de cadavre pourri. Il avait la tête tellement enflée que le cercueil a explosé. Non. 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 Non, j'ai peur que ça me colle aux mains. Là, je pourrais sortir. Non. 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 Je n'ai pas envie de transporter un crâne que je ne connais pas. Je ne peux pas l'ouvrir. Bras de squelette. Merci, j'ai déjà un très beau bras de squelette. Je voulais voir ce qu'ils allaient dire. Lubrifiant ? Je ne veux pas lubrifier ça. Oui. Ça n'a pas besoin d'être vrillé. Maillet ? Je ne peux pas frapper ça avec un... Baguette magique ? La baguette magique n'a pas des... Burin ? Putain, mais le burin, il fait tout, en fait, dans le jeu. Il y a des trucs qui servent pas. Et le burin, putain, ça fait 12 fois qu'on s'en sert, quoi. Salut Everpal. Et c'est Stan. Sorti de cette chose. Même si c'était un modèle confortable où il y avait plein de place pour la tête et les jambes. Bonjour, bonjour. Entendez-vous, je n'ai pas entendu. Bah forcément. Voilà, ça me revient. C'est moi qui. Guybrush Threepwood, bien sûr. Ça fait combien de temps qu'il est dedans ? C'est combien de temps qu'il est dedans ? Je n'avais pas l'intention de. Non, non, je ne veux rien entendre. Cette expérience fut inoubliable, j'ai eu tout le temps de réfléchir à plein de choses. J'ai pu découvrir ce qui importait vraiment dans la vie. Je ne sais pas si tu as déjà pensé au fait qu'il était assez fréquent d'enterrer quelqu'un par erreur dans les Caraïbes. J'ignorais cette réalité. Sans parler des abordages de pirates, des batailles en mer, des reptiles anthropophages, des sables mouvants, des duellistes à la cachette facile. Et bien sûr de ces satanés zombies. As-tu déjà pensé de ce qu'il adviendrait de tes proches si par malheur tu devais disparaître ? Pas vraiment, mais... Je te laisse bien sûr tout le temps qu'il faut pour y réfléchir. À moins que... Je fais partie de ceux qui savent, j'ai été mort. Cela m'a donné un tout autre regard sur la vie. Je dédierai dorénavant ma vie à faire en sorte que... Ouais, j'allais dire, ils vont des assurances maintenant. C'était obligé. Tiens, prends ma carte. J'en ai fait faire de nouvelles. Comment as-tu pu te faire des cartes en étant enfermé dans ce... Voilà. Voilà. Pourquoi perdre son temps à ces points de détail, fiston ? La seule question qui importe, c'est... Suis-je bien couvert ? Laisse-moi maintenant, j'ai du pain sur la planche. On est coincé ici, la porte est verrouillée. Foutaise ! C'est une de ces cryptes série limitée équipée d'un système de verrouillage Sécuriporte. Et il suffit d'actionner cette poignée. Putain, Stan, quoi. Comment ça va, mon cher Averpal ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? J'ai besoin d'être couvert, et tout de suite. Hey, attends un peu que je me retourne. Mon bureau n'est pas opérationnel. Fiche-moi le camp, maintenant. Ok. Stan. Les mutuelles Stan, parce que vous pouvez mourir à tout moment. Elle est même laminée. Ok. Bon, alors, la forme, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai les clous de cercueil. J'ai les clous. On va retourner. Salut la compagnie. Eh oui, je suis revenu sain et sauf du royaume des morts. Pas de question à celui qui revient d'entre les morts ? Vous ne voulez pas savoir s'il y a une vie après la mort ? Si le paradis existe ? Si là-haut on peut se garer facile ? Bon, c'est comme vous voulez. De toute façon, je ne vous dirai rien du tout. Comment il y a le seum ? Je vois que je suis même pas VIP alors que je suis ta genèse, ton alpha et ton oméga, sympa. Mais en fait, c'est juste parce que tu peux pas être et modo et VIP. C'est la même chose en fait pour Bibi.
C'est ou les gens sont modo ou les gens sont VIP, mais les deux c'est pas possible. Mais si tu veux, je t'enlève de modo et je te mets VIP à la place. Hein. J'ai des slots de VIP dispo, donc c'est comme tu wish, Lorraine. Je préfère être modo, tu vois ? Tu vois ? Tu vois quand tu veux. Je pensais qu'à ma mort, on m'enterrerait avec votre tante. C'est pourtant évident. Tu ne peux être inhumé dans la crypte des bonnes soupes que si tu fais partie de la famille Bonne Soupe. Et il faut être un bonne soupe, hein? Oncle Griswold, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Si je te reconnais, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment t'appelles-tu? Ah. Cœur vaillant aux carottes. Attends, je commence à avoir mal au cul. Big légumes, pois cassé au jambon, ou Taifong. Est-ce qu'ils font référence au groupe de Jean-Jacques Goldman, vous pensez? Ah, évidemment, c'est sûrement dans la VF que ça a été fait. Mais est-ce que c'est ça? C'était ça, hein? Alors, je sais plus. J'ai un doute. Oui, c'était bien Jean-Jacques Goldman qui avait un groupe avant qui s'appelait Taifong. Cœur vaillant aux carottes. Cœur vaillant aux carottes? Je suis d'origine irlandaise. Je ne me souviens pas de parents ayant ce nom-là. Regarde-moi, n'ai-je pas l'air d'un bonne soupe? Non, tu n'as pas du tout une bonne soupe. Non, clairement non. Tu ressembles au potage minute, nos grands concurrents. Ils ont les mêmes traits que toi. Ah. Vous êtes sûr? Et comment? Tous les jours, je passe en revue tous les portraits de la famille Bonne Soupe pour saluer un par un mes distingués ancêtres. Tous les traits distinctifs de la famille Bonne Soupe sont dans ces portraits. Et je ne vois rien dans aucun de ces portraits qui te ressemble. Alors... Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang. Donc. C'est la duchesse Crème de Bonne Soupe, née Nouille au beurre. C'est le comte Gaspacho Bonne Soupe, l'empereur du potage en sachet. Peter et Victoria Sauce Bonne Soupe, marquis et marquise du consommé. Minerve Stroneski Bonne Soupe, baronne du Borch. Tous les écriteaux disent qu'on ne peut pas toucher au tableau. Bien qu'il soit d'un réalisme surprenant, je ne crois pas qu'il va parler. C'est un portrait de la famille Bonne Soupe, où j'ai découpé un visage. Mon masque ne me servirait à rien ici. Ouais. Bon. Je pense qu'on va arrêter ici pour ce soir. Ouais. Là, je commence à être fatigué. Et je me connais sur ce jeu. Quand je commence à être claqué, c'est généralement pas bon signe. Hop, on va l'appeler. J'ai mal au cul. Dernier sub. Tony Hobb. Ah oui, alors j'ai expliqué en fait. J'ai expliqué le truc la dernière fois. J'étais à 14 subs sur 15 pour débloquer un nouveau slot d'emote. Et donc j'ai mon compte de test qui s'appelle Tony Hobb underscore. Qui d'ailleurs va bientôt changer, qui va s'appeler QuackQuackBot. Parce que c'est celui que j'utilise en fait pour faire les tests sur mes devs. Et donc voilà, vu qu'il me manquait un sub, attends deux secondes, on va, j'ai bien enregistré, hein. Oui j'ai enregistré, je l'ai appelé mal au cul, hop, et je vais repasser sur la scène King. Et du coup, vu qu'il me manquait qu'un seul sub pour avoir les 15 sur 15 pour débloquer un slot d'emote, je me suis sub avec mon compte de test qui s'appelle Tony underscore. J'ai un peu triché, j'avoue.
En plus, vu que c'était un compte qui avait jamais sub nulle part, j'ai eu une promo, t'as 10% de réduc. Donc 20%, non, t'as 20% de réduc sur ton premier sub en fait, donc je l'ai payé moins cher. Et donc c'est pour ça que mon dernier sub, c'est Tonyob underscore. Mais ce n'est pas moi en fait, du coup, c'est mon compte de test. Mais j'ai eu mes 15 sur 15 subs, et du coup, j'ai deux emotes pour le tier 1. La deuxième est en cours, voilà, faut que je la remplisse, mais ça va bientôt être le cas. Bon, sur ce, qui est en live présentement, il y a Black et Decker qui fait Poncho. Let's go pour Black & Decker, Poncho en plus. C'est un jeu que j'avais commencé en solo et que j'ai jamais fini. Et voilà, ça peut être. Ça joue en fait sur la perspective. Il y a deux plans. Il y a le plan en avant, il y a le plan en arrière. Enfin, je pense qu'elle vous expliquera ça mieux que moi. Et faut switcher entre les deux plans en fait pour pouvoir résoudre les énigmes. C'est assez sympa et c'est assez malin comme jeu. Tu te laisses pousser la barbe, alors c'est juste la flemme en fait, mais demain, fin du confinement, je revois ma nana, et je pense qu'elle va pas être contente que j'ai la barbe comme ça. Donc on verra ce que je vais faire, mais ouais, je tenterai bien la barbe avec crâne rasé, je testerai bien, je vais voir. Bon, sur ce, ça doit bien, mais je trouve c'est ce que je me disais aussi, ça cache la moitié de mon visage, c'est... C'est plutôt positif, je trouve. Voilà, sur ce, je vous envoie chez Black & Decker. Faites-lui un coin de ma part. Et puis voilà, je suis content. Le stream fonctionne avec mon vieux processeur APU, machin, qui n'est pas des plus puissants. Mais au moins, le stream passe sur les jeux en 2D. Donc on va pouvoir continuer à streamer pendant que ma carte graphique est en SAV. C'est plutôt chouette. Sur ce, je vous laisse. Bon stream chez Black & Decker. Des bisous et bonne nuit. Bye!